Est-ce que tu peux m'aider à lui dire, attends-toi à quelque chose de la part de Dieu? J'ai l'impression que tu le dis avec pas de conviction. Dis-lui, attends-toi à quelque chose de la part de Dieu. Qui s'attend à quelque chose de la part de Dieu aujourd'hui? Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous transmets les salutations du pasteur principal de cette résurrection qui s'appelle Jésus. Alors, ce matin, je vais nous introduire sur le thème qui sera de notre conférence. Je n'aurai pas l'occasion d'intervenir à cause du temps. Et l'Esprit de Dieu m'a poussé à nous parler. Je vais poser quelques fondements sur le grand thème qui sera abordé pendant ces quatre jours de grâce et de gloire. Et nous bénissons Dieu pour son œuvre parmi nous et ce qui se prépare. Et nous croyons que nous allons voir une grande manifestation de l'Esprit de Dieu pendant ces jours. Le thème, le grand thème, c'est le royaume de Dieu est parmi nous. Et je nous parlerai aujourd'hui sur le thème de la présence de Dieu. La présence de Dieu. Je demanderai vraiment votre attention parce que je vais aller dans une dimension de l'enseignement en même temps. L'Esprit de Dieu fera ce qu'il veut faire. La présence de Dieu. Luc, au chapitre 17, le verset 20 à 21. Juste le string. Luc, chapitre 17, le verset 20 au verset 21. Tel est le texte de base que nous voulons exploiter. La Bible dit ceci, les pharisiens demandèrent à Jésus, il répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Et on ne dira pas, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc chapitre 9, le verset 28 au verset 36. Luc 9, 28 au verset 36. La parole de Dieu nous dit ceci. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Et deux hommes étaient avec lui. Et au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous dressions trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et il ne savait pas ce qu'il disait. Et comme il parlait ainsi, une nuée le couvrit, et les disciples furent saisis de frayeur en le voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Et quand la voix fit entendre, Jésus se trouva seul, et les disciples gardèrent le silence, et ils ne le racontèrent à personne en ce temps-là, de rien de ce qu'ils avaient vu. Genèse chapitre 1er. Le verset 26 au verset 28. Genèse chapitre 1er, verset 26 au verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre,
et tout sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Et Dieu dit, et Dieu les bénit, et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez. Quelqu'un peut dire avec moi, dominez. À haute voix, dominez. Plus fort que ça, dominez. Sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et le dernier texte que nous voulons prendre, c'est dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 2. Daniel chapitre 2, juste le verset 44. Daniel 2, le verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes et lui-même subsistera éternellement. Amen. Le royaume de Dieu est parmi nous, tel est notre grand thème. Et mon sous-thème s'intitule « La présence de Dieu ». Dis avec moi « La présence de Dieu ». La présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, vous verrez que le thème sur le royaume de Dieu constitue en lui-même le thème principal de toute la Bible et de toutes les Écritures. C'est-à-dire de Genèse, Apocalypse, le plan de Dieu, la bonne nouvelle concernant l'humanité, c'est le royaume. La raison pour laquelle on verra tout à l'heure, quand Jésus est venu, il est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume. Il y a une différence entre bonne nouvelle et bonne nouvelle du royaume. Les bonnes nouvelles, c'est tout ce que nous pouvons vivre, expérimenter au quotidien. Tu trouves un travail, c'est une bonne nouvelle. Tu te maries, c'est une bonne nouvelle. Tu as de l'argent, c'est une bonne nouvelle. Mais ceci n'est pas forcément la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume, c'est le focus, c'est le plan de Dieu. Le plan parfait de Genèse à Apocalypse. En dehors du royaume, il n'y a pas autre chose. Pourquoi? Parce qu'on verra tout à l'heure qu'il y a guerre de royaume. Amen. Et la Bible, d'entrée de jeu, nous présente un roi. La Bible est une affaire d'un royaume. Et la Bible nous présente d'abord un roi. Qui est ce roi? C'est Dieu lui-même. Et ensuite, la Bible nous présente les sujets de ce royaume qui constituent la famille royale. Les hommes et les femmes qui appartiennent à ce royaume, c'est-à-dire les fils de Dieu et les filles de Dieu. Et dans cette famille, nous retrouvons aussi des créatures célestes telles que les anges. Nous retrouvons les dominations, nous retrouvons les autorités, les puissances. Et Dieu a tout créé justement pour sa gloire. Et dans le royaume, nous voyons également la notion du territoire où Dieu, n'est-ce pas, veut régner. Et comme je disais tout à l'heure, depuis le commencement, le plan de Dieu était le royaume. Et si vous lisez dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans l'hébreu, c'est Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet haaretz. Ce qui veut dire quoi? Au commencement, le plan de Dieu initial, c'était le ciel. Et le ciel, nous dit la Bible, c'est le trône de Dieu. Là où Dieu règne, là où Dieu siège, là où sa présence est manifeste, est palpable et visible. C'est ce que Esaïe a vu. L'année de la mort du roi Ozias lui dira, j'ai vu le Seigneur assis sur le trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Il a vu cette gloire là au ciel. En même temps, la Bible dit que la terre est son marchepied. Il a voulu que ce règne qui est céleste, spirituel, se manifeste aussi sur la terre où il devait placer son représentant légal qui est l'homme. Et malheureusement, au verset 2, on nous dira la terre est devenue informe et vide. En gros, il y a eu un chaos, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le Dieu immortel, bien-aimé dans le Seigneur, qui avait créé toutes ces créatures au ciel, il y a une de ces créatures qu'on appelle Lucifer qui va se rebeller contre lui et qui sera précipitée. Et l'impact de sa précipitation sur la terre a entraîné le tohu-bohu, le chaos, la confusion, les problèmes, les situations négatives. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu un tohu-bohu, il y a eu un vide. Et la Bible dit que pendant ce temps qu'il y avait le vide sur la terre, il n'y avait pas un chaos au ciel, il y avait un chaos sur la terre suite à la chute de Satan. La Bible nous dira que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cela veut dire que Dieu, malgré le fait que le diable avait essayé de briser, de vouloir déformer
le plan qu'il avait sur la terre pour les hommes, l'Esprit de Dieu était quand même là. Et je voudrais dire à quelqu'un, même si le diable a tout fait pour détruire ta vie, il ne pourra pas, parce que l'Esprit de Dieu se mouve pour redonner forme à ce qui a été déformé. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Et pendant ce temps, la Bible dira que Dieu va dire que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu amène d'abord la lumière pour amener l'ordre. Car la Bible, la lumière c'est la parole. La lumière c'est Christ. Christ, lumière du monde. Christ, la parole. Et la parole et la lumière amènent l'ordre. Et Dieu ne peut rien faire là où il n'y a pas l'ordre. Dieu n'agit jamais dans le désordre. Avant que Dieu n'agisse, il faut d'abord qu'au préalable qu'il amène l'ordre. Quand il a amené l'ordre, il va commencer maintenant l'œuvre de la création. Il prend 6 jours pour créer l'humanité, pour créer la terre avec tout ce qu'elle renferme. Et la Bible dit que le 6e jour, il crée l'homme. Et on l'a vu là, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Pourquoi l'image? L'image en hébreu, c'est tselem. Quand on parle de l'image, on voit le reflet de la gloire. On voit la manifestation visible et palpable de sa présence. Quand la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, cela veut dire que l'homme n'a pas les attributs de Dieu. Il n'est pas omniscient, omnipotent, omniprésent, mais l'homme reçoit ce qui est de la nature de Dieu, sa gloire, sa sainteté, sa présence. Ce qui caractérisait l'homme, c'était la présence de Dieu. Et une fois qu'il a été créé à l'image de Dieu, Dieu lui dit « domine ». En réalité, il a été créé pour dominer. Et le verbe « dominer » ici dans Genèse 1, 26, c'est « rada ». « Rada » qui veut dire « gouverner »,« régner »,« amener le règne ». Ça, c'est le plan initial. Et n'oubliez jamais que Genèse reste un livre de commencement, mais aussi un livre de la fin, parce que c'est là qu'est inscrit le plan parfait de Dieu. Et au verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit. Bénédire, et Dieu prononce ses bénédictions. Le plan de Dieu, la pensée de Dieu, ce n'est pas que tu comprennes sur la bénédiction. La bénédiction, c'est une conséquence inévitable de la présence du royaume. Alléluia. Alléluia. Dieu les bénit. En disant multipliez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et Dieu dira encore dominez. Il reparle encore de la domination. Adam et Ève pouvaient dominer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient en eux la présence de Dieu, l'image de Dieu. Or, Christ est l'image du Dieu invisible. Cette présence qui leur a donné la capacité d'emmener le règne de Dieu. Sans la présence de Dieu, il n'y a pas de règne de Dieu. Dieu ne peut jamais régner là où sa présence n'y est pas. C'est pourquoi on peut parler du règne de Dieu. Mais s'il n'y a pas la présence de Dieu, ça ne sert à rien. C'est lié. Psaume chapitre 8, verset 7, verset 5 à 7. Psaume chapitre 8, verset 5 à 7. La Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, mais tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination, voyez. Donc ici, la Bible présente nous dit que Dieu a donné à l'homme la domination sur les œuvres de tes mains, et tu as tout mis sous ses pieds. Deux choses qui sont attachées au règne de Dieu. Un, la domination. Quand la présence de Dieu vient sur toi, tu reçois la domination. Tu reçois le règne. Tu dois gouverner, tu dois diriger. Et deuxièmement, Dieu te positionne. Dieu te prend de là où tu es et il te positionne. Alléluia. Alléluia. La position, tout est sous tes pieds. Satan est sous tes pieds. La maladie est sous tes pieds. La mort est sous tes pieds. Les problèmes sont sous tes pieds. Les difficultés sont sous tes pieds. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que le royaume? Juste pour définir. Nous voyons l'expression royaume dans la Bible près de 250 fois. 250 fois la Bible parle du royaume. La Bible ne parle pas d'une religion, mais la Bible parle d'un royaume. La religion, c'est l'ensemble des traditions, des dogmes, des systèmes, des préceptes que les hommes ont mis en place pour chercher à aller vers Dieu. Ça, c'est la religion.
Et pour votre information, la Bible parle de la religion que quatre fois dans la Bible. Mais de Genèse à Apocalypse, nous voyons au moins 250 mentions du mot royaume. Et nous voyons près de 2460 déclinaisons du mot royaume. C'est-à-dire quand on parle du royaume, il y a plus de 2640. Quand je parle de déclinaison, je parle du royaume, je parle du règne, je parle de roi, je parle de toutes ces choses. Tout ce qui est attaché au royaume. Et le mot royaume vient du grec, basileia, basileia. Et de l'hébreu, mamlaka. Royaume, basileia, mamlaka. Ça parle d'un gouvernement. Quand on parle du royaume, on parle du gouvernement. On parle de l'empire de Dieu, du règne de Dieu, du régime de Dieu, de la domination de Dieu. Là encore, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut que je règne. Oh, quand je vois les chrétiens sont dominés, sont régnés. On règne sur eux. Bien-aimés, quand on dit que le royaume est parmi nous, c'est que plus rien ne doit régner sur toi à part Dieu. Seul Dieu doit régner dans ta vie, dans ma vie. Alléluia. Le royaume de Dieu. Dis avec moi, le royaume de Dieu. La présence de Dieu. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on a vu dans Psaume chapitre 8, Dieu a donné à l'homme le royaume. Et parce que Satan le savait, et il a voulu, il était dans ce royaume, il avait été précipité, chassé du ciel. Qu'est-ce qu'il va faire? Sachant que l'homme avait reçu la domination sur lui, étant malin, il a cherché à l'arracher de l'homme. Comment? En poussant l'homme à la rébellion. Car pour garder le royaume, pour garder la présence de Dieu, une condition, c'est l'obéissance à Dieu. C'est le fait de se soumettre et soumettre sa vie à Dieu. Voilà comment dans Genèse chapitre 3, l'homme a été séduit, passant bien sûr par la femme. Et les deux ont été coupables de péché. Et quand le péché est entré, qui est la rébellion, la Bible déclare qu'ils ont été privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le cabord, le poids de Dieu qui fait que tu domines, tu écrases les problèmes et les situations, ça a été enlevé. L'homme n'a pas perdu le ciel, mais l'homme a perdu le royaume. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je répète, l'homme a perdu le royaume. L'homme a perdu la gloire. L'homme a perdu la présence de Dieu quand il a péché. Car il est impossible d'expérimenter la présence de Dieu en dehors du royaume de Dieu. Tu ne peux pas vivre la présence de Dieu si tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Et à partir de ce moment-là, le diable a introduit dans le monde ce qu'on appelle le royaume des ténèbres. Car si le royaume de Dieu existe, laissez-moi vous dire que le royaume des ténèbres aussi existe. Dans le royaume des ténèbres, nous trouvons le diable, nous trouvons les démons, nous trouvons les agents du diable, les sorciers, les francs-maçons, tous les satanistes, les occultistes, et qui travaillent dans un but de détruire l'œuvre de Dieu dans la création. Ça, c'est leur plan. Car le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et la Bible nous dira dans 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la domination et sous le pouvoir du diable. Bien-aimés, le royaume des ténèbres est réel. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'existe pas. Il est là, il existe. Et le diable travaille avec son armée d'anges démoniaques dans le but de détruire les hommes, de les éloigner de Dieu, de les empêcher de rentrer dans le plan de Dieu pour leur vie. Amen. Le péché a fait perdre à l'homme la domination. Le royaume est devenu éloigné de l'homme. Le royaume de Dieu, la présence de Dieu dans laquelle l'homme était conçu, va s'éloigner de l'homme. Ça va devenir tout loin. Regardez quand Dieu arrive dans le jardin, l'homme se cache même. Dieu dira, Adam, où es-tu? Il dit, je me cache, je suis derrière le bois. Que fais-tu là? Je suis caché. Tu es trop brillant, je ne peux plus te voir. Et la Bible déclare que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui vous cassent la face, qui l'empêchent de vous exaucer. Et voilà comment le péché a pris place, bien-aimé. Et c'était grave.
Et plus tard, toujours dans Genèse, le péché va augmenter au point où Dieu va décider de détruire le monde. Prenez avec moi Genèse chapitre 9, verset 1er. Et le péché va amener son lot de malheurs. Vous savez, les conséquences du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Les guerres, les violences, les maladies, les oppressions sataniques, démoniaques, toutes les difficultés que Dieu n'a pas prévues pour toi, dans lesquelles tu te retrouves. La possession démoniaque. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y en a qui sont possédés par des esprits mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné accès au règne du diable. Et quand le royaume arrive, ce règne doit finir au nom de Jésus. Alléluia. Genèse chapitre 9, verset 1er. Là, nous sommes après le péché. La Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Regardez ici. Alors que dans Genèse 1, il ne s'est pas arrêté à remplir la terre. Il est allé plus loin en disant, assujettissez, dominez. Mais avec Noé, il n'y avait plus la domination. Vous savez pourquoi? Parce que le péché régnait. Bien aimé, quand il y a le péché, il n'y a pas le règne de Dieu. Il n'y a pas le règne de Dieu. Là où il y a la rébellion, le péché c'est quoi? C'est la rébellion à l'autorité divine, à la parole de Dieu. C'est quand tu fais ta propre volonté et celle de Dieu, et ce dans tous les domaines de ta vie. Il y a un désordre, un chaos, des problèmes qui arrivent. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu s'est éloigné. Bien aimé, quelle tristesse. Genèse 6 nous dira que Dieu, voyant que la méchanceté des hommes était grande, Dieu décide de retirer son esprit de l'homme. L'esprit par lequel le royaume arrive, cet esprit a été retiré. Regardez la condition misérable dans laquelle l'humanité a été plongée. Ne dormez pas, s'il vous plaît. La condition misérable dans laquelle le monde se retrouvait. Pourquoi? Tout simplement parce que la rébellion est rentrée dans le monde. Et Dieu, voulant marcher au milieu de l'homme, va choisir son peuple. Un peuple parmi toutes les nations, Israël, qui devait porter son nom et qui devait être cette témoin, cette lampe, pour manifester la présence de Dieu au milieu des générations perverses et corrompues. Et voilà comment Dieu va demander à Israël de construire le tabernacle. Et dans le tabernacle, il se manifestait par la nuée, par le feu. C'était l'image du règne de Dieu parmi Israël. Pourquoi? Lorsque Israël marchait dans le désert, Israël n'était pas une nation comme toutes les autres nations. C'était une nation distinguée à cause de la présence de Dieu. Le royaume de Dieu marchait avec Israël. Alléluia. Moïse arrive en Égypte. Il dit à Pharaon, une image de Satan, laisse aller mon peuple. Pharaon n'a pas pu retenir Israël. Il était obligé de libérer Israël. Israël était libéré pour aller adorer Dieu. Ils arrivent devant la mer Rouge. Oh, Dieu dit à Moïse, lève le bâton, frappe la mer. Moïse lève le bâton, il frappe la mer. Et la mer se fend en deux. Ce sont les preuves du royaume de Dieu. Et la mer s'est fendue en deux. Ils sont passés à sec. Ils arrivent dans le désert, ils manquaient à manger. Dieu amène la manne, le pain des grands, le pain du ciel. Ils mangent la manne. Ils ont soif, ils n'ont rien à boire. Dieu dit à Moïse, frappe le rocher. Il frappe le rocher, l'eau sort du rocher. Bien-aimés, ils ont vécu de miracles extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient, ils marchaient dans le royaume de Dieu, dans le règne de Dieu. L'Esprit de Dieu était au milieu d'eux. Pas en eux, mais au milieu d'eux. Amen. Et la situation, comme cette situation avait perduré, Dieu va demander maintenant, va choisir plutôt David, à qui il va remettre la royauté lorsqu'Israël va refuser la royauté. J'aimerais faire juste une parenthèse. La présence de Dieu au milieu d'Israël, c'était symbolisé dans l'arche. L'arche de l'Alliance, ce bois où il y avait deux chérubins aux ailes déployées qui gardaient et qui couvraient la Shekinah de Dieu, faisait que partout Israël marchait avec l'arche, Israël avait la victoire. Amen. Amen, 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 amen.
personne ne pouvait toucher Israël. À un moment donné, lorsqu'ils ont pris l'arche, les Philistins ont volé l'arche. Ils l'ont amené dans la maison de leur dieu Dagon. Chez les Philistins, les dieux adoraient les Philistins. Bien aimé, on a déposé l'arche. C'était visiblement un morceau de bois, mais un morceau de bois qui avait la gloire et la présence de Dieu. La Bible dit Dagon, le lendemain on a trouvé Dagon était prosterné face contre terre. Ils ont dit non, c'était une erreur, quelque chose s'est passé. Ils ont repris Dagon, un dieu qu'on peut porter. Ah, ce n'est pas mon dieu. Non, ça ce n'est pas mon dieu. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des mains pour toucher, mais ils ne peuvent pas toucher. Ils ont des pieds pour marcher, mais ils ne peuvent pas marcher. Mais mon dieu à moi, celui que je prêche dans le royaume, bien aimé, n'est pas comme ce dieu-là. On a repris Dagon, on a remis Dagon à sa place. Ils ont remis la tête, ils ont remis tout. Le lendemain, ils reviennent la même position. Mais cette fois-ci, la tête coupée et les bras brisés. Ils ont dit non. Quelque chose est avec ce peuple. Bien-aimés, lorsque le royaume est avec vous, non, il faut qu'il y ait la différence. Les démons ne peuvent plus jouer avec toi. Satan ne peut pas jouer avec toi. C'est pourquoi j'aime des fois les attaques, mais je ne peux pas me déclarer vaincu, non, jamais, je dis jamais, le Dieu que je prie, non, celui qui est en vous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Dieu appelle David, Dieu dit à David dans 2 Samuel 7 verset 16, il dit, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera toujours affermi. Dieu promet à David le royaume. Quel royaume? Le royaume davidique, le royaume sur lequel, le trône sur lequel le Messie devait s'asseoir, le royaume de Dieu. En réalité, quand Dieu donnait cette prophétie par Nathan, il voyait prophétiquement le royaume de Dieu qui devait venir. Et Satan, le sachant, qu'est-ce qu'il fait? Il a poussé les rois après David à vivre dans le péché. Tu ne comprends pas pourquoi l'ennemi te pousse à pécher, parce qu'il sait que quand tu pèches, tu perds le royaume. Il le sait. Et voilà pourquoi il le fait. Il a poussé les rois. Salomon n'a pas marché dans les voies de son père. Dieu l'a suscité un ennemi. Salomon a eu plus de 1000 femmes. Il a adoré des fausses divinités, des dieux païens. Et Dieu l'a frappé. Et plusieurs des descendants des rois, parmi les rois, aussi bien en Israël qu'en Juda, n'ont pas marché droit devant Dieu. Et la conséquence, c'était quoi? C'était la captivité. Israël a connu ce qu'on appelle la captivité avec la Syrie. Et Juda a connu la captivité babylonienne. Dieu a retiré sa main. Sa gloire s'est retirée. Au point où, lorsque Dieu a envoyé les prophètes pour annoncer à Israël de revenir à Dieu par la repentance, réformez vos voies et vos cœurs. Autrement dit, je vous frapperai. Israël a fermé l'oreille. Et la conséquence, c'était quoi? C'est que lorsque l'ennemi est venu, l'ennemi l'a brisé. Écoutez-moi très bien. J'ai dit bien, écoutez-moi très bien. L'ennemi a réussi à briser Israël. Pourquoi? À cause de sa rébellion. Dieu envoie les prophètes, mais ils n'ont pas écouté. Un des prophètes est venu, Ézéchiel. Ézéchiel va voir dans Ézéchiel 11 la gloire de Dieu, la présence de Dieu qui se retire du temple et qui s'en va. Quand la maison devient déserte, l'ennemi danse. Voilà comment même les chrétiens, après la délivrance, au lieu de remplir la maison de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, ils jouent avec leur vie. Voilà comment il y a des délivrances qui ne finissent jamais. Et on pense que Dieu n'agit pas. Dieu agit, mais on laisse la maison déserte. La maison est vide. C'était terrible. Babylone est venue, Babylone a brisé Israël. Le royaume de Juda a été brisé. Le muraille a été cassé, détruit. Le temple a été dévasté. Les ustensiles ont été emmenés en Babylone. Et la majorité du peuple de la race noble est partie en captivité. Bien aimé, c'était horreur. Le Dieu de gloire n'agissait plus en faveur de sa nation. Pourquoi? Parce que sa nation l'avait abandonné. Sa nation ne s'attachait plus au règne de Dieu. Et la conséquence,
c'était l'esclavage. La conséquence, c'était les difficultés, les problèmes qui ne viennent pas de Dieu. Et quand Dieu regarde cela, Dieu pleure. Après l'empire babylonien, il va y avoir l'empire médo-perse. Ils vont faire la même chose. Après les Mèdes et les Perses, il va y avoir l'empire grec. Alors là, Israël va perdre même ses racines. Et après l'empire grec, il va y avoir l'empire romain. Mais Daniel avait dit une chose. Au temps de ce roi de Rome, le Seigneur suscitera un royaume qui ne passera pas sous la domination d'un autre. Et c'est ça le royaume des cieux. Nebuchadnezzar avait vu une grande statue, mais ensuite il voit une pierre qui se détache sans le secours d'aucun homme et qui vient juste frapper le pied de la statue. Et lorsque la pierre frappe le pied de la statue, toute la statue demeure brisée et brisée. Bien-aimé, c'est ce qui s'est passé au temps d'Hérode. C'était l'empire romain qui régnait, qui gouvernait, alors que le règne des ténèbres était dans le monde, alors que le diable régnait. La bonne nouvelle du royaume va surgir. Bien-aimé, le Fils de Dieu va venir. Les prophéties vont se réaliser. Premièrement, la prophétie d'Ésaïe qui disait, voici, je vous donne un signe. La Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et vous lui donnerez le nom de Emmanuel. Le mot Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. En d'autres termes, le royaume est parmi nous. En d'autres termes, la présence de Dieu est parmi nous. Bien-aimé, dans Ésaïe 6, il est dit, oui, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Oui, la domination, le règne, le pouvoir, on reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera prince de paix, on l'appellera Père éternel. Bien-aimé, cette parole s'est réalisée sans le secours d'aucun homme. Nul n'a su comment ça s'est arrivé, ça s'est passé. La pierre s'est détachée. Dieu se pose la question, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui sauvera la race pécheresse? Qui établira le règne de Dieu dans le monde? Personne n'était capable, mais le Fils a dit, me voici, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens au Dieu pour faire ta volonté. Il a accepté de rentrer dans le ventre d'une femme, sans le contact de Marie et Joseph. La puissance du Très-Haut a couvert Marie de son ombre. Elle est devenue enceinte. Le royaume, le roi de ce royaume est venu habiter dans un petit temple, dans une petite tente qui est le corps de Marie. Vous ne pouvez pas expliquer ça à un religieux parce qu'un religieux ne comprendra pas. Pour lui, pour enfanter, il faut qu'il y ait un contact entre un homme et une femme. Mais Dieu est au-dessus de la nature, Dieu est au-dessus des situations. Et voici comment le mystère de la piété qui est grand va être manifesté. La Bible dit, Dieu a été faite chair. Oui, la parole a été faite chair. Dieu est venu en esprit, plutôt en chair. Dieu qui est esprit est venu en chair. Il est rentré dans le ventre de Marie. Pendant 9 mois, Marie transportait le royaume de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, pendant 9 mois, Marie marchait avec le royaume de Dieu. Voilà pourquoi au contact avec Élisabeth, ce n'est que normal que l'enfant tressaillisse, parce que l'esprit, celui qui donne l'esprit, qui a reçu l'esprit sans mesure, il s'appelle le roi, le Messie, loin, le Fils, Alpha, Oméga, commencement et fin, roi des rois, Seigneur des seigneurs, la parole. Oh, j'aimerais dire, dans le ventre de Marie, quelque chose s'est passé. Et l'ange avait, quand ce Gabriel a été envoyé auprès de la Vierge, elle est venue saluer et dire, je te salue, toi à qui une grâce a été donnée. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Écoutez bien la prophétie dans Luc 1. Il dit, c'est lui qui s'assiera sur le trône de David, son père. Il recevra une domination qui ne passera pas. Celui qui domine sur tout. Je m'étais dit, ce n'est pas la maladie qui domine.
Ce n'est pas Satan qui domine. Ce ne sont pas les occultistes qui dominent. C'est Jésus de Nazareth qui domine. La domination de Jésus est au-dessus de toute domination. Et voilà comment, lorsque cela est arrivé, l'enfant Jésus est né. Tout ce qui était en Israël, personne n'a vu. Ils avaient des yeux, mais ils n'avaient pas vu. Mais Dieu se révèle aux mages, aux magiciens venant de l'Orient. Ils viennent jusqu'à Jérusalem. Ils rencontrent Hérode, le roi de Rome. On lui pose la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Comme vous savez, on n'est né jamais roi. On est prince et on devient roi. Mais lui, il est né roi. Non seulement roi, mais roi des rois. La nouvelle l'a fait trembler. Quoi? Un royaume. Un roi vient de naître. Cela veut dire que mon royaume est menacé. C'est tout à fait normal. Parce que Jésus n'amène pas le royaume comme le monde. Il dira lui-même, mon royaume n'est pas de ce monde. Un royaume différent. Un royaume céleste. Un gouvernement royal. Où lui-même vient assujettir tout ce qui t'assujettissait. Il veut mettre fin au blocage. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et voici comment Jésus, bien-aimé, né conçu par l'Esprit, il a eu un mode de vie exceptionnel. Il n'y a pas eu deux, il n'y a pas trois comme lui. Il a suffi juste quelques années pour révolutionner le système de toutes les nations du monde. La plus grande puissance mondiale de l'époque, l'Empire romain, a été secouée. Le Dieu capable de secouer. He's able to shake. Et je vais te dire, il va secouer ce qui dominait. Aide-moi à dire à ton voisin, il va secouer. Non, tu ne l'as pas dit. Dis-le en montrant la main. Il va secouer. He's gonna shake. Dis-lui, il va secouer. Ébranlé. Tout a été ébranlé, secoué. Il lui a fallu simplement 30 ans. Dieu va le cacher pendant 30 ans. 30 ans d'anonymat afin de le présenter ensuite à Christ. Suivez bien. Quand tu l'auras 30 ans, Jean-Baptiste, la voix de celui qui crie dans le désert, sera envoyé pour préparer son chemin. Il vient. Et quel était son message? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il n'a pas parlé d'un autre message, un message crucial. Répentez-vous, le royaume de Dieu est proche, il est en train d'arriver. Quand Jean le disait, il n'était pas encore là, il est en train d'arriver. Et il va présenter Jésus sur la scène publique nationale d'Israël. Voici celui-ci est l'agneau de Dieu, celui-là même qui ôte le péché du monde. Et quand Jésus arrive à lui, il se fait baptiser. Regardez, lorsqu'il sort du baptême, la Bible déclare le ciel va s'ouvrir et l'Esprit de Dieu va descendre sur lui. Et la voix va parler en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il était l'incarnation de toute la présence de Dieu. Il a reçu l'Esprit sans mesure. La présence de Dieu était en Jésus. Là, ce qu'on pouvait toucher autrefois, c'était Jésus caché dans un corps. Quand vous le voyez, vous pouvez le mépriser. C'est pourquoi Esaïe le dira, qui a cru à notre prédication? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est apparu comme une faible plante qui sort de rejetons. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, nous l'avons méprisé, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Écoutez, dans l'apparence, tu ne vois pas le royaume. On parle du royaume, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Mais je ne vois pas ce royaume. Comme les Juifs étaient là, ils s'attendaient à un Messie qui les délivrerait de la domination romaine. Mais ceux qui ne savaient pas, le Messie était déjà au milieu d'eux. Ils avaient des yeux pour voir, mais ils n'ont pas vu. Et ma prière est que Dieu ouvre les yeux spirituels de quelqu'un pour qu'il voit le royaume de Dieu. Même Jean-Baptiste, un jour, il a perdu la tête. Quand il a appris le miracle que Jésus faisait, il envoie des disciples dire à Jésus, « Es-tu celui qui devait venir? Ou devons-nous en attendre un autre ?»
Jésus n'a pas répondu à cette question. Il y allait dire à Jean-Baptiste que vous voyez, vous entendez. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les boiteux sont guéris, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle du royaume est annoncée. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Le royaume était là. Bien-aimé, la présence de Dieu était là. Alors, notez ici avec moi rapidement 9 points qui sont liés à ce royaume et qui sont également liés à la présence de Dieu. Et nous sommes dans le Nouveau Testament. Premier point, Jésus a prêché le royaume de Dieu. Jésus prêcha le message le plus important. Matthieu chapitre 3 verset 2, il le dit. Et dans Matthieu 4 verset 17, il dit: dès lors, Jésus commença à prêcher et il dit: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Cela veut dire le royaume est à la porte. Dans Luc chapitre 4 verset 43, Luc 4 43, il dit: il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour elles que j'ai été envoyé. Jésus a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, annoncer aux hommes que la présence qu'ils avaient perdue, la présence de Dieu, ils pouvaient la retrouver. Comment? Par la repentance. C'est pourquoi la clé du royaume pour entrer dans le royaume, c'est la repentance. Métanoïa, changement de mentalité, changement de système de pensée. Il faut que tu aies un renouvellement de ton intelligence. Il faut qu'il y ait un changement radical, que tu reconnaisses que tu es pécheur, perdu et que tu as besoin du Sauveur. Tel était le message de Jésus. Pourquoi la repentance? Parce que nous sommes rebelles. Pourquoi la repentance? Parce que nous pratiquons des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Pourquoi la repentance? Parce que tu fais ce que tu veux et non ce que Dieu veut. Et aujourd'hui, on ne veut pas entendre le message de la repentance. Ça fait mal aux oreilles. Prêche-nous l'onction. Prêche-nous la bénédiction. Mais ne nous parle pas de nos vies. Quelle est ta vie? Une vie de débauche, une vie où tu écoutes la musique mondaine, en même temps tu pries Jésus, une vie où tu es dans la fornication, tu pratiques les rapports sexuels en dehors du cadre du mariage, une vie dans laquelle tu es dans la débauche, une vie dans laquelle tu es dans l'adultère, une vie dans laquelle tu es dans le mensonge. Une vie dans laquelle tu te plais et tu es dans la fraude, dans les magouilles. Une vie qui ne plaît pas à Dieu. Et aujourd'hui, on ne veut pas entendre cet évangile parce que ça dérange. Mais on veut la main de Dieu. On veut la présence de Dieu. Non, quand c'est comme ça, la main de Dieu se retire de toi. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Dis à ton voisin, répends-toi, car le royaume est proche. Tu ne l'as pas dit avec force. Dis-lui, répends-toi, car le royaume est proche. Pasteur, tu comprends, on est au 21e siècle. Où le péché est dans vos portables. Galaxy S7, c'est ça, Edge. Où tu pratiques une vie de masturbation, de pornographie. Et tu dis, c'est pas grave. Dieu voit ça. Réponds-toi dans le secret. Dieu te voit dans le secret. Car la présence de Dieu ne peut pas se manifester là où il y a le péché. Répondez-vous. On n'est pas mariés, on vit ensemble. Non, les parents connaissent. Ce n'est pas ce que les parents connaissent qui importe. C'est ce que Dieu recommande. Ce que Dieu approuve. Vous vivez maritalement, séparez-vous, mettez votre vie en règle. Dieu viendra. Et lorsque le malheur arrive, on dit, Dieu m'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné, c'est toi qui l'as abandonné. Repentez-vous, car la présence de Dieu est proche. Et quand on parle de la vérité, vous êtes sujet à la haine. On ne vous aime pas. On vous critique, on vous calomnie. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes, dit Jésus.
Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais tu ne l'as pas voulu. Mais attention, il viendra un temps où tes ennemis t'environneront de toutes tranchées. Ils te serreront de toutes parts et ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Quand le royaume vient, c'est la visitation. C'est quand tu entends cette parole, seul capable de changer ta vie. Jésus n'a jamais prêché les miracles. Jamais. Montre-moi un seul verset où Jésus a prêché les miracles. Il prêchait le royaume et les miracles accompagnaient. Non. Je dis, il prêchait le royaume des cieux et les miracles accompagnés. Et la Bible déclare, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils vont déguerpir les démons dans tous les sens. En mon nom, la sorcellerie n'aura pas le pouvoir dans ta vie, dans ta famille. Nous voyons même des chrétiens bouffés par la sorcellerie. Il meurt avant le temps. On dit Dieu a permis. Non, le règne de ténèbres doit prendre fin au nom de Jésus. Je vais déclarer tout à l'heure. Je vais prier tout à l'heure. Ça, c'est l'avant-goût de la conférence. Deuxième point. Deuxième point, relatif. Satan essaiera par tous les moyens pour t'empêcher de comprendre le message du royaume. Satan ne va pas t'empêcher de te marier. Ton mariage, ça change quoi? Rien. Tu te réjouis 2 jours et puis la vie continue. Ah oui, ça continue. Et tu peux même voir après 10 ans, tu as besoin de changer de femme ou de mari. Parce que la chair n'est jamais satisfaite. Et quand on vous prêche le mariage, on vous prêche un faux évangile. Lorsqu'on vous prêche l'argent, on vous prêche un faux évangile. L'argent dans le royaume, oui, mais l'objectif n'est pas l'argent. Et je vois les chrétiens qui cherchent l'argent au lieu de chercher le royaume. Dieu est bon quand ils ont l'argent. Matthieu chapitre 13, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, le diable vient et il enlève ce qui a été semé dans le cœur. Satan veut te mettre dans la distraction. La distraction, c'est quoi? Que tu ne vois pas l'objectif. Tu regardes ce qu'il y a à gauche, ce qu'il y a à droite. Dieu dit à Josué, ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite. C'est la vérité, ferme tes oreilles. Tu as des oreilles à gauche, tu as des oreilles à droite. Ferme tes oreilles. L'objectif, c'est le royaume. Moi, je marche vers le royaume. Ferme tes oreilles. Non, dis à ton voisin, ferme tes oreilles. Distraction. Amen. Troisième point. Jésus a recommandé à ses disciples de prêcher le royaume. Jésus a recommandé à ses disciples de prêcher le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8. Allez et prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais lorsque le royaume de Dieu arrive, quelque part, dans une maison, dans la vie d'un homme, dans une église, dans ta famille, dans ton couple, dans ton ménage, je vous assure, là où la maladie régnait, la maladie doit disparaître. Ah, tu n'as pas dit amen. Là où les démons avaient pris place, aux liens de famille, aux problèmes d'hypertension, aux problèmes de diabète, aux problèmes de célibat, liens ancestral. Depuis que tu es en Jésus, tu ne fais que couper les liens. Depuis 10 ans, combat spirituel, tu coupes, mais les liens sont toujours là. Ça, ce n'est pas le royaume. Lorsque le royaume arrive, les démons sont obligés de te lâcher parce qu'il y a un royaume plus puissant. Jésus dit quoi? Lorsque une maison
est bien gardé par un homme fort, vous ne pouvez pas dépouiller cette maison. Mais lorsqu'un homme plus fort survient, il vient, il est dompté. Ça, c'est le royaume. Quand l'homme, comme Jésus vient, il va dompter. Il va dominer l'homme fort qui était dans ta famille. Oh non, nous, dans notre famille, on ne dépasse pas 50 ans. Qui t'a dit à toi, tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Quel lien va rester encore? Quel est cet esprit qui va vouloir encore résister? À moins que tu lui donnes un droit légal par le péché. Tu es dans un péché caché. Là, oui, il a un droit légal de rester. Mais si Jésus vient, Jésus dit quoi? Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Bien-aimé, quand le royaume arrive, les démons, le péché, la mort, les malédictions, les problèmes qui ne viennent pas de Dieu. Je ne parle pas des persécutions, je parle des problèmes qui viennent du diable. Dégage! Amen. Lorsque les enfants d'Israël ont commencé à rebâtir le temple, il y a eu des ennemis qui se sont levés. Les Sambala, les Tobija, les ennemis, des gens qui ne veulent pas te voir avancer. Bien-aimé, ne pense pas que tout le monde t'aime. Regarde ton voisin, dis-lui, tout le monde ne t'aime pas. Si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir, tu haïrais les gens. Ah, c'est ma copine. Continue, c'est ma copine. Et ce que tu ne sais pas, il est en train de viser ton fiancé. On a vu des cas, non? Des gens, copines, vraies copines, mais judo, ça! Vous blaguez avec l'affaire Alliance, hein? Alléluia! Il y a des ennemis, mais même si les ennemis se lèvent, la Bible dit qu'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Toute arme qui sera forgée contre toi sera sans effet. Toute langue, il y a des langues qui te maudissent. Ils prennent ta photo sur Facebook là. Ils sont en train de maudire. Quel meurtre. Oh, la Bible dit ces langues-là, tu les condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Oh, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, devant ma fille, devant mon fils, tu seras aplani. C'est pourquoi je n'ai pas peur de mes ennemis. Ils viendront par un seul chemin. Ils s'enfuiront par cet chemin. Les ennemis viendront bien. Mais si tu pries que ça ne vienne pas, ça viendra. Mais l'assurance que tu as, parce que tu as dans le royaume, tu es le royaume, tu as le royaume en toi, ils fuiront. Je dis ils fuiront. Ceux qui ont creusé ta tombe, ils vont eux-mêmes être enterrés. Il y en a qui ont creusé ma tombe hier. Aujourd'hui, je vous parle. Ils ont été enterrés. On ne joue pas. Oh. On ne joue pas. Jésus a dit quoi? De tous ceux qui sont nés des femmes, il n'a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Mais dans le royaume de Dieu, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Je suis venu t'annoncer. Toi qui es peut-être le plus petit, peut-être parce que tu ne jeûnes pas beaucoup, tu ne pries pas beaucoup, mais sache que ta position dans le royaume, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Tu ne peux pas être bouffé. Même si tu as été avalé par le poisson comme Jonas, le poisson sera dans l'obligation de te vomir, parce que quelqu'un a dit ta chair n'est pas comestible. Laissez-moi le temps de chanter, laissez-moi le temps de louer. Je te dis que l'ennemi ne peut pas te, parce que toi tu es différent. En fait, eux ils te voient avec les yeux charnels, mais dans le spirituel ils ne savent pas que tu es en quelqu'un, et ce quelqu'un là est en toi. Tu es en Christ, Christ est en toi. Dis avec moi le royaume de Dieu. Dis avec moi la présence de Dieu. Cinquième point. Jésus nous recommande de prier pour que le royaume vienne. Aujourd'hui, tu dois changer tes sujets de prière.
Seigneur, donne-moi la voiture, donne-moi la maison, donne-moi l'argent, donne-moi un CDI, des prières, des chants charnels. Je sais que tu ne vas pas dire amen. Mais c'est la vérité. Jésus dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il dit, comment vous devez prier? Pas la récitation. En fait, la prière, là, ce n'est pas une récitation. C'est un modèle, c'est un schéma. Si tu veux vivre le royaume, la présence de Dieu, tu dois demander cela dans tes prières. Ça doit être ta prière principale, prioritaire. Pourquoi? Parce que Dieu, à cause du péché, a besoin que toi, tu l'invites. S'il vient lui-même, c'est un usurpateur. Mais lorsque tu lui demandes de venir, en gros, tu demandes à l'autre de dégager, de quitter. Que ton règne vienne. Dis avec moi, que ton règne vienne. En réalité, que ta présence vienne. Lorsque tu pries, désire la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que tu as tout. Tu as la paix, la joie, le bonheur. Tout est en harmonie. Tout est parfait quand la présence de Dieu est là. Que ta présence vienne. Viens t'ingérer dans ma vie. Que ton règne vienne dans ce projet de mariage. Tu veux te marier. Tu ne demandes pas la volonté de Dieu. Et demain quand ça va, ça ira mal, tu diras Dieu ne m'aime pas. Dans les choix que tu fais, dans tes engagements, dans les objectifs que tu veux prendre, est-ce que tu demandes le règne de Dieu? Est-ce que tu demandes la direction de Dieu? Dirige-moi. Est-ce que tu demandes, Seigneur, montre-moi si c'est l'homme de ma vie? Toi, tu regardes tellement la beauté, l'apparence. Alors que Dieu lui voit le cœur. Que ton règne vienne. Ça, c'était la priorité des apôtres. Ils demandaient que le Saint-Esprit vienne. Ils ne demandaient pas autre chose. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas besoin d'autre chose. Non. Ils avaient besoin d'autre chose. Et c'est là que ça nous amène au sixième point. Au sixième point, il faut constamment rechercher le royaume de Dieu. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cela veut dire que ça doit être ta priorité. Tu avais besoin, oui. Dieu sait que tu dois manger, tu dois t'habiller. Dieu sait que tu as des projets. Dieu sait ces choses. Mais la priorité doit être le royaume de Dieu. Septièmement, le royaume de Dieu ou la présence de Dieu. C'était l'héritage promis par Dieu lui-même. Bien-aimé, ce que Dieu veut te donner en héritage, ce ne sont pas les maisons, d'abord. Mais c'est d'abord son royaume, son règne. La raison pour laquelle les apôtres, des fois, se battaient pour ça. Un jour, la mère des Zébédée, vous connaissez, non? La maman de Jacques et Jean, ils sont venus voir Jésus et dire, oh, Seigneur, quand tu viendras dans ta gloire, fais en sorte que tes frères ici, voici, ça c'est l'un à gauche, l'un à droite. Pourquoi? Eux, ils étaient visionnaires. Mais le problème, c'est que toi, ta vision est terrestre. Tu t'accroches tellement à la maison. Et tu oublies qu'après la mort, tu laisses la maison. Et c'est peut-être que ton neveu là qui ne t'aime pas qui va venir prendre ça. C'est pour cela, fais du royaume ta priorité. Sache que c'est le seul héritage qui t'emmènera dans l'éternité. La présence de Dieu, regardez avec moi dans Matthieu chapitre 25 verset 34. Alors le roi, Matthieu 25 34, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui avait été promis dès la fondation du monde. Quel est ce royaume? La félicité éternelle, la présence éternelle de Dieu. C'est pourquoi Matthieu, plutôt Luc chapitre 9 qu'on a lu, un jour Jésus va dire à ses disciples, à quelques-uns de ses apôtres, quelques-uns parmi vous ici ne mourront pas sans avoir vu le royaume. Qu'est-ce qu'il fait? Il les amène à l'écart.
Il monte avec eux sur la montagne là où il va se transfigurer devant eux. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient là, Jésus va se mettre à prier. Écoutez, hein, vous qui voulez l'héritage de la présence de Dieu, vous qui voulez la présence de Dieu, il n'y a pas la présence de Dieu sans la prière. Il n'y a pas la présence de Dieu sans la prière. Toi qui fais des prières flash, 2 minutes, 5 minutes, ah, tu n'as pas le temps. Ton temps, c'est le travail. Ton temps, c'est le dodo, tout ça. Frère, fais attention. Fais attention. Car le diable, pour t'empêcher de prendre possession du royaume, il va t'occuper. Tu vas devenir comme Marthe, occupé à beaucoup de choses. Jésus dira, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. La présence de Dieu, là c'est la bonne part. Jésus monte avec eux sur la montagne, lieu de la prière, lieu du rendez-vous avec le ciel, le royaume éternel de Dieu. Et pendant qu'il priait, la Bible dit, son visage va resplendir, va se métamorphoser. Ils vont voir une lumière comme Moïse quand il était sur la montagne. Son visage commençait à briller. Vous voyez mon visage, il brille, non? Ah, dis à ton ami la montagne. Non, il t'a pas bien entendu. Dis-lui la montagne. Il faut que ton visage brille, pas du maquillage. Non. De la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Jésus prie, il prie Ramakasaka, Ritamanaka, Robobobo, Rekatamana, Rendaba. Et la Bible dit, au même instant, son visage resplendit. Ses vêtements, je ne sais pas c'était de quelle couleur, mais ça devient tout blanc, comme la lumière du soleil éclatant. Et la Bible dit, une nuée arrive et les recouvre. Et dans cette nuée, dans cette gloire, il va y avoir Élie et il va y avoir Moïse. Ils vont apparaître dans la gloire. Ils vont commencer à parler avec Jésus. Lorsque tu pries, il y a un mouvement dans le spirituel. Il y a un dynamisme spirituel. Le royaume de Dieu qui est spirituel commence à devenir palpable. Et je peux vous assurer, tu peux palper cela. Tu peux toucher cela. Tu peux expérimenter. Tu peux sentir cela. Ils ont dit non. Quelque chose est en train de se passer. Et c'est cette dimension que Jésus veut que nous puissions aspirer à une dimension. Quand tu pries, que tu ne pries pas comme d'habitude, quand tu pries, tu dois te sentir transporté, tu dois te sentir entrer dans une nouvelle phase. Non, je dis bien, l'Esprit de Dieu doit te transporter. Tu dois commencer à être ravi. Comme Paul dit, je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, fut ravi jusqu'au troisième ciel. Si c'est dans son corps, je ne sais. Si c'est hors de ce corps, je ne sais. Mais il lui a été permis d'entendre des paroles qui ne sont pas permises aux hommes d'entendre. La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, des choses que l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Ou dans la montagne, lorsque Moïse est monté, il a été transfiguré. Lorsque Abraham est monté, il a été pourvu. Il avait juré, Dieu se pourvoira sur la montagne. Toi qui veux que Dieu intervienne dans ta vie, il n'interviendra pas quand tu es en bas. Tu dois monter sur la montagne, là où la présence de Dieu, la réalité de Dieu s'affiche, là où la gloire de Dieu devient palpable et visible. Et quand vous commencez à maîtriser le spirituel, le matériel vous obéira. Le règne et la domination viendra. Et vous verrez un homme qui ne paraît rien. C'est pourquoi soyez méfiants de ceux-là qui marchent avec Dieu. Parce que vous ne savez pas ce qu'ils sont. La Bible dit, un arbre, on coupe, le lendemain, il pousse des rejetons. Vous ne pouvez jamais couper quelqu'un qui est avec Dieu. Quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu perds ton temps pour rien. Attaquer les soins de Dieu. Vous perdez votre temps. Parce que quand tu l'attaques à gauche, Dieu l'amène à droite. Tu l'attaques à droite, Dieu l'amène devant. Tu l'attaques devant, Dieu l'amène à l'arrêt. Tu l'attaques en arrière, Dieu l'amène là. Tu ne peux pas l'attraper, mon ami. Mon frère, tu ne peux pas. La gloire de Dieu. Je vais m'arrêter là. Il y a un dernier point, mais je ne vais pas le toucher. Je sens que je vais m'arrêter là. Là où tu élèves ta main seulement.
Lève ta main vers le ciel. Ferme tes yeux. Lève ta main vers le ciel et ferme les yeux. Pendant que tu as tes mains levées, il y a une personne que Dieu est en train de visiter à l'instant même. Une personne qui se sentait loin de Dieu. Mais au travers de cette parole, tu as fait une prière de repentance dans ton cœur. Dieu l'a entendu et Dieu l'a agréé. La main de Dieu arrive sur ta vie. Oh, c'est une femme. Pour savoir ce que c'est toi, tu avais reçu de Dieu un don de révélation. Mais ce don ne se manifestait plus comme avant. Ce don était comme bloqué. Ce don n'agissait plus. Et l'Esprit de Dieu est en train de te visiter maintenant, là où tu es. Ceux qui peuvent se tenir debout, tenez-vous debout. Ceux qui ne peuvent pas, là où vous êtes assis, levez simplement la main. Pas de distraction, s'il vous plaît. Levez simplement la main. Esprit de mon Dieu. Esprit de mon Dieu. Toi qui désires sa présence. Toi qui désires qu'il te touche. Toi qui désires que Dieu intervienne dans ta vie. Que tu as tes mains levées. Dis-lui, Seigneur, viens. Dis-lui, Seigneur, viens. Prie, commence à prier là où tu es. Dis-lui, Seigneur, viens. Dis-lui, Seigneur, viens.